ça nous besoin pour nous faire connaître, nous allons installer Django. Nous finissons créer un environnement là, mais qu'on a installé Django. Pour nous installer Django, on a utilisé Pip encore, Pip qui c'est bi bon ami nous, on a utilisé encore pour nous installer Django, qui c'est Pip install Django. Ensuite, on a obtenu. Bon, pour qu'on a la version qui gagne, c'est version 3. C'est nous allons utiliser Django 3. C'est lui-même qui dernière version pour qu'on a. Si vous avez besoin d'utiliser version 2 ou bien version 1, ça pas problème. Vous pouvez toujours utiliser. Mais pour utiliser, il faut que vous tapez comme ça. Django. Ensuite, vous mettez égal. Ensuite, vous mettez qui version vous besoin, soit 2.8 ou du moins vers 2.2.1 ou bien 2.2. OK. Mais pour série ça, nous allons observer avec Django 3. OK. Pour qu'on y a là, nous allons taper en commande et côté Django après, ben nous, tout matériel nous allons besoin pour Apple. Bon, comme maintenant, c'est Django. Django admin, ensuite start project. Kounya la, ou ka bay projet à n'importe nom que vous voulez. Bon, pour projet nous, on a pris le blog. On a le blog. Ok. Ou d'accord avec lui? D'accord, mon cher. Ok, on a allé. On blog n'a Ok. Bon, kounya blog là, il crée un desktop. Kounya nous va regarder, desktop. Voilà où est blog là. On entre dans le folder pour nous qui ça qui gagne la donne. Ok. Pour qu'on y a là, nous allons ouvrir. Pour nous montrer nos folder, puis bien nous allons ouvrir nos éditeurs. Éditeur n'a pas servi qui c'est Sublime Text. Sublime Text c'est un code editor. Ça veut dire, avec le cas, écrit code et puis modifier code. Pour ça, nous sert avec parce que c'est simple. Et puis, structure projet, là, la bien paraître dans Sublime. C'est ça que nous utilisons Sublime. Non, folder hein, qu'on y a là. Folder again, non blog. C'est-à-dire, non, nous te balayons. Ensuite, le nom, là-dedans, nous avons l'autre blog encore. Blog, ça lui-même, c'est lui qui racine projet. C'est racine et application à faire. Blog, qui c'est blog là. Ensuite, nous avons manager.py. Manager.py là. Et bon, Josmi, soit qu'à dire nous de lui. J'ai entendu nous saluer déjà, mais comme nous entrons dans le cognac, nous avons vu les gains, les ouvrons bien qui sont les settings, blogs.settings. Tout à l'heure, nous allons parler de blogs.settings. C'est les mêmes qui gagnent un paquet de bagages qui sont relatés avec le projet. Très important. Et puis, comme on parle de settings là, bon, tout montrer mon yo settings.py là mais il là mais il en dans racine là dit settings ça c'est lui même qui là encore donc bon montrer là dedans OK pour settings.py là mais file là dit on peut faire ça les longues non seulement les longues les déjà longues il y a un grand pile bail pour nous mettre là dedans après si on regarde bien on peut le gon secret key. Secret key, ça n'a pas quitté tout le monde. Parce que lui-même, il faut qu'il y ait un bel secret. Parce que lui-même qui a identifié pour genre là. Ok, moi je tout dit ça là, je tout dit, pas mettre dans production parce que si vous mettez, vous ka hacker application. Ça veut dire c'est dans développement pour qu'il tout toujours quitter. Ok, et puis debug show. Mbase ou même tout si ou sou gade an dan setting, nou ap kompon pi fò ba yo. E bi mpense, padan ap fè proje, alen ap ajoute kek ba yo ap plus kompran ki sa setting zan fè. Nou pa pezi tou ap tan la da. Ok, ame pa yon problem. Bon, kounya, an branche sou, e, init.py sa ki, mwèl vide, mwèl vide. Ok, init.py la le plus souvent, di toujou vide, an pil fwa. Parce que ça qui est important pour nous et par contenu, init.py là, c'est non. Dès que ou elle en côté, ou elle en dans directory, en folder, ou tout qu'on est, ok, ça, son Python package. Et ça fait Oh. init.py là. Ok. Ah ben, bon, on a allé dans l'autre file.
ASGI. ASGI sont... Ça fait que vini, parce que là, j'avais utilisé Django 2, pas de gain. Oh, et vraiment, c'est parce que sous Django 2.1, il n'y a pas de gain file ça. Les tout venir avec Django 3. Yeah, c'est lui-même qui permet... Parce que nous faisons blog et pas pour jouer. C'est pour nous mettre l'online. Si pas gain ASGI ou bien WSGI ou carré qui là, tout. Si pas gain ça, deux ça, ou bien n'importe là, donc l'IPAPK. Serve application n'a pas online et comme si vous avez là vous pouvez utiliser sur laptop pas mais si vous voyez le lien bas en l'autre monde il pas pouvez utiliser mais avec ESGI avec WSGI ou capable serve li dans production oh mais bon. différence qui gagne entre ESGI et WSGI c'est que WSGI c'est pour Synchronous Python app. Nous allons expliquer ça plus devant. Et puis, SGI est pour tout. Que asynchronous, que synchronous, c'est toujours bon. Ok, bon, moi, l'autre file encore, qui c'est url.s.py. Bon, qui ça lui fait même? Moi, le tout gagne en admin, moi, le tout gagne en admin url la donne. Bon, qui ça lui fait même? Ok, vous connaissez étant que l'on fait un livre, dans le commencement du livre, là, on tape des matières. URL.s.py tant que tape de matière blog ou c'est là dans le voile mettez toute URL blog ou again tant que blog ou again home il y a again technologie il y a again social il y a again politique c'est là dans URL.s.py là Ah, toute URL y a appuyé ça veut dire si moi t'avais besoin URL qui c'est la caille, moi qui a écrit comme ça la caille, ensuite yeah. ensuite soit home ou bien ça veut dire c'est ça son exemple Yeah, son de exemple. façon que m'a écrit en URL qui gagne la caille là-dedans. Yeah. Oh, ok, ah mais pas un problème, pas un problème. Bon, n'avancez, n'avancez, n'avancez.